Alors, ce que vous avez vu là, c'était non pas le sol de Mars, bien que ça y ressemblait, c'était le sol du désert de l'Atacama au Chili. Et en fait, je ne savais pas qu'on allait montrer le sol de Mars juste avant. Donc, merci Florence, merci Quentin. Mais par contre, ce que je voulais surtout que vous regardiez, en fait, et je pense que c'est ça que vous avez fait, c'était le ciel qu'on voyait. Vous avez vu la Voie lactée bouger dans le ciel. Et alors c'est donc un time-lapse hein, pendant plus de 24 heures. La musique, c'est Georges Delerue. C'est la même musique de celui qui a, enfin, la musique de celui qui a fait, qui a réalisé la musique de Julie Jim, par exemple. Et elle est tirée d'une série qui s'appelle Tour du monde, Tour du ciel. Une série mythique à laquelle participaient Pierre Léna et Michel Serres. Je vous la conseille si vous ne l'avez jamais vue. Et en fait, donc ça, c'est Serge Brunier qui a fait ce time-lapse qui est absolument fabuleux. Et donc, c'est pris dans l'Atacama, pas très loin de ces télescopes dont je vais parler, qui sont les télescopes du Very Large Telescope, l'observatoire Very Large Telescope au Chili, à Paranal, au nord du Chili. Alors, je vais d'abord vous présenter un petit peu la Voie lactée. J'imagine que pour la plupart, vous la connaissez déjà. Mais ça va nous permettre de plonger un petit peu dans ce sujet. La Voie lactée, c'est un peu ambigu parce que c'est le nom de cette traînée blanchâtre, vous savez, qu'on voit dans le ciel quand il n'y a aucune lumière. C'est aussi le nom de notre galaxie. Alors là, vous avez un paysage où vous voyez le centre de cette Voie lactée. Alors la Voie lactée, donc, évidemment, c'est dur pour nous de la voir dans son ensemble. Je parle de la galaxie. De notre galaxie. C'est dur pour nous de voir dans son ensemble parce qu'on est à l'intérieur. Donc en fait, pour se la représenter, on prend des images de galaxies qu'on voit nous dans son ensemble. Là, vous en avez une et vous voyez, donc nous, on est à l'intérieur, enfin, on n'est pas à l'intérieur de celle-là, mais on est à l'intérieur de notre galaxie, à peu près dans cette zone-là. Et ce qu'on voit, c'est cette galaxie qui nous entoure et ça fait cette traînée blanchâtre qui nous entoure complètement. C'est cette Voie lactée que nous voyons dans le ciel. Alors, ça, c'est le même type de galaxie, une galaxie qui ressemble beaucoup à la nôtre, pareil, une autre galaxie, parce que nous, on ne peut pas prendre une photo de l'extérieur de notre galaxie. Et là, donc, vous voyez que c'est une galaxie qui ressemble à un disque, un peu aplati, et nous sommes à l'intérieur. Alors, où sommes-nous exactement dans ce disque? Eh bien, là, vous avez de nouveau la galaxie, notre galaxie vue par la tranche. Vous avez le centre de la galaxie ici. Vous avez le disque qui est là. Et là, en fait, nous sommes ici. La taille de notre galaxie, c'est à peu près 100 000 années-lumière. C'est-à-dire que la lumière met 100 000 ans pour aller d'un bout à l'autre. En un aller-retour, pardon, en deux allées, ça met 200 000 ans. C'est à peu près la durée de vie jusqu'à maintenant de l'espèce Homo sapiens. Et vous voyez, en un aller, donc 100 000 ans, c'est à peu près le temps qu'elle a commencé à migrer hors d'Afrique. Voilà, donc nous on est ici, on se trouve à peu près à 30 000 années-lumière du centre de la galaxie. D'accord? 30 000 années-lumière. La lumière met 30 000 ans. Donc tout ce que je vais vous montrer sur le centre de la galaxie, c'est quelque chose, c'est des images de quelque chose qui s'est passé 30 000 ans plus tôt. Donc ça, c'est vu de profil. Regardez maintenant de face. Voilà notre galaxie, ça c'est une vue d'artiste. Le Soleil est là. Vous voyez que le Soleil est plutôt à la périphérie de la galaxie. Ici, il y a tout plein d'objets qui sont plutôt vieux. Et là, vers les bras, en fait, c'est plutôt des objets qui sont plutôt jeunes. D'accord? Notre Soleil est plutôt jeune, puisqu'il a en gros 4 milliards et demi d'années. Notre galaxie, elle a plutôt de l'ordre de 12 milliards d'années. Donc notre Soleil est plutôt un objet jeune dans notre galaxie. Ça, c'est une vue d'artiste. Maintenant, je vous montre une vraie vision de notre galaxie, qui est en fait quand on isole tout ce qui est l'hydrogène, c'est-à-dire tout le gaz le plus abondant dans notre galaxie. Ça, c'est l'hydrogène. Et donc, vous voyez ici le centre de la galaxie. Vous voyez qu'il y a une petite barre ici. Puis après, il y a quatre bras. Il y a le bras de Norma, le bras de la Croix, le bras du Sagittaire, on en reparlera du Sagittaire, et ici le bras de Persée. Et alors, pour ceux qui ont une bonne vue, vous voyez qu'il y a un petit bras là. Voilà. On l'appelle le bras local. Mais en fait, il existe celui-là juste parce que nous, on est là.
Il y a le soleil qui est ici, donc il fallait bien donner un nom au bras sur lequel se trouvait le soleil. Évidemment, les bras, en fait, sont des résultats d'ondes de densité, et du coup, cette onde se déplace, et le bras, l'onde de densité qui a fait naître le soleil, s'est déplacée. Donc maintenant, en fait, on est plus sur un bras, l'un des bras principaux de notre galaxie. Alors, pour ceux qui vont régulièrement à la ferme aux étoiles regarder le ciel, ou ailleurs d'ailleurs, pour vous repérer, pour savoir où ils sont dans la galaxie, voilà une petite carte du ciel. Là, vous avez le Sagittaire qui est là. Vous savez, c'est la Théière avec l'anse, le couvercle, le bec verseur. Voilà, vous avez la Théière. Le Scorpion est ici. Et vous voyez que juste à côté du bec verseur, vous avez un petit cercle là. Ça, c'est le centre de notre galaxie. Il est par là-bas. Donc finalement, c'est assez simple de le repérer. Alors pour nous, c'est juste, on le voit seulement en été et assez bas sur l'horizon. Si vous voulez mieux le voir, eh bien vous allez dans des contrées plus équatoriales ou même dans l'hémisphère sud. Et là, vous le verrez encore mieux si vous le regardez depuis le Chili, par exemple, où on va aller tout à l'heure. Eh bien, à ce moment-là, vous le voyez très très haut dans le ciel. Donc si vous regardez précisément dans cette direction et que vous avez un beau ciel, voilà ce que vous allez voir. Vous allez voir cette traînée blanchâtre qui est notre galaxie, la Voie lactée vue par la tranche. Vous voyez beaucoup d'étoiles, vous voyez des nuages dits interstellaires, des nuages moléculaires, des nuages où naissent les étoiles. Et puis vous voyez aussi, vous avez vu cette partie sombre là dans notre galaxie. Tout ça en fait, c'est pas qu'il y a moins d'étoiles, c'est qu'il y a beaucoup de poussière qui nous cache la lumière des étoiles qui se trouve derrière. Donc tout ça, en fait, c'est un voile de poussière qui nous cache les étoiles. Et ça va être notre problème en le regardant dans le rayonnement visible, c'est-à-dire le rayonnement qu'on peut voir à l'œil nu, ou même avec des télescopes, mais dans le rayonnement qu'on voit nous à l'œil, eh bien, c'est qu'on va être caché, le centre de la galaxie va être caché par toutes ces poussières. Regardez, là, je fais un zoom sur cette partie-là. Et vous voyez que quand je zoome sur le centre galactique, là, il y a à peu près 3 degrés par 3 degrés. C'est à peu près la taille de 6 pleines lunes par 6 pleines lunes. Eh bien, vous voyez qu'on commence à entrer dans les parties qui, justement, est cachée par de la poussière. En fait, on ne voit plus grand-chose. On ne voit plus grand-chose à cause de toutes ces poussières qui nous cachent la lumière des étoiles qui se trouvent derrière. Alors, du coup, on pourrait se dire, ben, c'est fichu, et la conférence, au bout de 10 minutes, s'arrête, puisqu'il n'y a plus rien à voir. Heureusement, il n'y a pas que la lumière visible dans la vie. Et on va regarder le centre de la galaxie avec d'autres rayonnements. En fait, on va utiliser tous les rayonnements qui existent sur le spectre électromagnétique, depuis la radio, qui est le moins énergétique, l'infrarouge, les rayons X, et même des rayonnements encore plus énergétiques, qu'on appelle les rayons gamma. Alors je vais commencer, pour voir ce qui se passe à l'intérieur, par le rayonnement infrarouge. Alors là, j'utilise deux satellites, dont l'un que vous connaissez très bien, c'est le télescope spatial Hubble. L'autre, vous le connaissez probablement un petit peu moins bien, c'est le télescope spatial Spitzer. Hubble est très connu pour ses images dans le visible, mais en fait, il avait aussi un détecteur en infrarouge. Et Spitzer avait été conçu pour observer dans le rayonnement infrarouge, à des longueurs d'onde encore plus grandes que le télescope Hubble. Et donc là, quand vous regardez avec ces télescopes-là qui regardent dans l'infrarouge, on a accès à des choses qui sont plus froides que le visible. On peut regarder des choses qui sont, typiquement le visible, hein, la lumière jaune, on va être à l'ordre de 4000 degrés, quelque chose comme ça. Là, on va regarder des choses qui sont à 1000 degrés, ou même plus froid, hein, jusqu'à 300, 200, 100 degrés. Et on va même regarder des températures qui sont assez proches du zéro absolu. En fait. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Quand on pointe ce télescope sur la région du centre de la galaxie, vous voyez qu'on arrive à percer à travers la poussière. On ne voit plus cette zone noire qu'on voyait tout à l'heure. Là, on voit beaucoup de choses. Et toutes ces choses, en fait, c'est justement toutes les poussières qui, cette fois-ci, émettent dans ce rayonnement-là. Et ce sont des poussières qui même parfois se mettent ensemble pour former de nouvelles étoiles. Et donc, en fait, c'est là-dedans qu'on va regarder, dans ce rayonnement-là, on va percer à travers la poussière.
Et cette poussière-là, c'est la poussière qui est présente dans les nuages où se forment les étoiles. Donc ça, c'est en infrarouge. Ça veut dire que c'est à des longueurs d'onde qui sont plus grandes que le visible, à des énergies plus faibles, si vous voulez. On peut aller encore plus loin. On peut aller à des rayonnements qui sont à des longueurs d'onde encore plus grandes, à des énergies encore plus faibles. Et là, les photons traversent encore plus, les particules de lumière traversent encore plus toute cette poussière-là. Et c'est ça qui va nous permettre de percer à l'intérieur de ces nuages-là. On va regarder, en fait, dans le rayonnement radio. Et l'instrument que je vous montre là, c'est un instrument qui est nouveau, qui est construit actuellement en Afrique du Sud. Et il y a une autre contrepartie qui est en Australie. Ça, c'est l'instrument MERCAT, qui fait partie d'un grand instrument radio qu'on est en train de construire, qui s'appelle SCA. SCA pour Square Kilometer Array, c'est-à-dire un interféromètre radio, une multitude d'antennes radio qui va faire plus que le kilomètre carré. Et du coup, l'instrument que vous voyez ici, qui est MERCAT, qui est déjà construit, a pris une image du centre de la galaxie, qui est sortie il y a quelques mois, hein, qui est très récente. Et alors là, au lieu de voir, comme dans le visible, du noir, ou comme en infrarouge, plein de poussière, cette fois-ci, vous voyez, vous avez une vision qui est assez différente. On a cette vision-là. Là, ce que vous voyez, c'est des filaments de gaz. Vous les voyez un peu partout ici, là, vous avez plein de filaments qui sont là, là, tac, tac, tac. Vous avez des zones qui sont en train, comme des bulles, qui sont en train d'interagir avec l'environnement. Et tous ces filaments que vous voyez, ben, c'est du gaz ionisé, donc ça peut être des électrons, des protons, qui suivent des lignes de champ magnétique de la galaxie. Donc, vous voyez qu'on a une vision complètement différente de ce qu'on peut voir dans le visible. On a une vision complètement différente de ce qu'on voit en infrarouge. On a accès à des processus physiques différents. Et c'est ça qui est intéressant dans le fait de regarder à plusieurs longueurs d'onde, c'est qu'on a une image différente, complètement. Dans le visible, on voit quasiment rien. En infrarouge, on va voir la poussière où se forment les étoiles. En radio, on commence à voir les filaments de gaz qui sont très proches du centre. Le centre de la galaxie, il est par là, hein. Vous voyez que c'est là où tout se passe. C'est là où il y a le plus de choses qui ont l'air intéressantes dans les processus qui se créent au cœur de la galaxie. Visible, infrarouge, radio, j'ai été vers les longueurs d'onde de plus en plus grandes, vers les énergies de plus en plus faibles. Maintenant, je vais faire le contraire, je pars du visible et je vais vers des rayonnements qui sont plus énergétiques, donc des longueurs d'onde qui sont plus courtes. Et là, on va avoir affaire à des processus qui sont beaucoup plus chauds. On va aller vers les rayons X. Alors, vous avez vu pour observer en infrarouge, on utilisait des satellites. Je vous ai montré Hubble et Spitzer. Pourquoi on utilise des satellites? Parce que en fait, l'infrarouge, la grande partie de l'infrarouge est bloquée par l'atmosphère de la Terre, en particulier par toutes les molécules d'eau qu'il y a dans l'atmosphère, donc, et aussi par la température de l'atmosphère. Donc pour pouvoir voir en infrarouge, on est obligé d'aller dans l'espace. Il y a certaines fenêtres où l'atmosphère laisse passer l'infrarouge et on peut observer depuis la Terre, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc si vous voulez avoir une meilleure vision, vous allez dans l'espace. En radio, on n'a aucun problème, on peut observer depuis la Terre, puisque la majeure partie de la radio arrive sur la Terre, sur la surface de la Terre. On commence à avoir des problèmes actuellement parce que il y a beaucoup de communications radio, et donc il y a beaucoup de signaux de télécommunications en fait, qui interfèrent avec nous, ce qu'on veut observer dans l'univers. Il y a encore des fenêtres qui sont protégées, mais de plus en plus, on est gêné par les télécommunications au niveau mondial. En fait. Alors, pour observer les rayons X, heureusement pour nous, les rayons X n'arrivent pas sur Terre. Parce que sinon, on ne serait plus là. Enfin, on n'aurait même pas été là depuis le départ. Les rayons X n'arrivent pas sur Terre, donc ce qu'on fait, c'est qu'on envoie des satellites. Et là, je vous en montre un, c'est Chandra, un satellite américain. Et ces satellites, donc, il va capter les rayons X. Ce n'est pas facile à capter, je ne vais pas faire un cours maintenant d'instrumentation, mais ce n'est pas facile à capter parce que les rayons X, les photons X, sont tellement énergétiques qu'ils interagissent avec la matière. Donc si vous mettez un miroir comme ça, le rayon X, il va interagir avec le miroir et on ne verra rien du tout. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met plein de petits miroirs comme ça et les photons, ils vont rebondir sur les miroirs en incidence rasante, comme ça. Et on en met plein de miroirs comme ça et à la fin, on met un détecteur. Et là, qu'est-ce qu'on voit quand on fait ça avec ce satellite-là, qui du coup est très grand. Vous voyez,
Le plan focal, il est à 10 mètres du détecteur. Et qu'est-ce qu'on voit quand on fait ça? Eh bien, on voit vers le centre de la galaxie, on voit beaucoup de sources ponctuelles. Ces sources ponctuelles, c'est des naines blanches, c'est des étoiles à neutrons, c'est des trous noirs qui se trouvent à côté d'autres étoiles qui sont en train d'attirer de la matière. Et ça, ça crée beaucoup d'énergie. Tout ce que vous voyez dans les rayons X, c'est des émissions qui sont créées par des processus très chauds de l'ordre de 10 millions de degrés. Et la plupart de cette émission-là, c'est donc de la matière qui est attirée d'une étoile, qui s'accumule autour d'un objet compact, type étoile à neutrons ou trou noir, et qui, en s'accumulant, frotte de plus en plus, exactement comme ça, sauf que là, vous chauffez à 10 millions de degrés. C'est ce qu'on appelle du frottement visqueux. Et c'est comme ça que vous allez émettre la plupart de ce que vous voyez ici, de ces rayons X-là. Donc vous voyez qu'on a une vision complètement différente. Depuis le visible infrarouge radio jusqu'aux X, on voit des processus complètement différents. On voit de la physique différente. Du coup, ça va nous apprendre des choses différentes sur ce qui se passe au centre de la galaxie. Et juste pour récapituler, ben là, je vous montre ces deux images que je vous ai en gros déjà montrées. Ça, c'est le visible et ça, c'est la radio. Et là, vous voyez que là où on ne voyait rien dans le visible parce que c'est tout noir, eh bien ici, en radio, on voit plein d'émissions. Parce que justement, c'est là qu'il y a de l'hydrogène, c'est là qu'il y a plein de gaz, de la poussière qui nous cache la lumière des étoiles. Donc vous avez bien compris que pour percer les secrets du centre de notre galactique, on ne va pas regarder dans le visible, on va regarder plutôt en infrarouge et plutôt en radio. C'est les deux longueurs d'onde qui vont nous être utiles. Et un petit peu aussi en rayons X, si on veut regarder un petit peu ce qui se passe dans l'environnement de ce centre galactique. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de plonger au cœur de notre galaxie. On va voir ce qui s'y trouve. Donc là, vous avez un dessin de notre galaxie. Là, vous avez la position du Soleil. Et on plonge vers la galaxie. Alors, pour ne pas vous perdre, je vous remets cette image dans le visible. Ça, c'est la constellation du Sagittaire. Vous vous rappelez, le bec verseur. Le centre galactique est là. Et vous voyez qu'on va se diriger vers cette partie qui est très sombre, où en fait, on ne voit rien. On ne voit que du noir. Donc ça, c'est dans le visible. Et là, on passe directement en radio. Vous voyez la taille? Ça, c'est 450 années-lumière. Donc on retrouve l'image radio que je vous avais déjà montrée. Et là, on va faire un zoom sur cette partie-là, qui est vers le centre. Voilà. Et on est toujours en radio. Là, on a une taille d'à peu près 30 années-lumière. Alors, vous voyez que là, le centre de la galaxie est par ici. Vous voyez qu'il y a de nouveau beaucoup de filaments. Tous ces filaments qui sont créés par le champ magnétique et qui portent tous les électrons, tous les protons qui sont libres et qui bougent comme ça à côté du centre galactique. Il se passe beaucoup de choses dans cette région-là. Donc là, on est toujours en radio. On est toujours en radio, mais à des longueurs d'onde différentes. Cette fois-ci, on est à 3,6 années-lumière. C'est-à-dire que dans ce carré-là, c'est à peu près la distance entre la Terre et Proxima du Centaure. D'accord ? 4 années-lumière, en gros. Voilà, donc nous, chez nous, la densité, c'est à peu près, on va dire, 2 étoiles sur une distance de 4 années-lumière. Et là, vous allez voir que nous, on en a beaucoup plus dans le centre galactique. Donc là, c'est en radio, et vous voyez qu'il y a une sorte de... il y a 3 bras comme ça. Il y a le bras du nord, le bras de l'est, le bras de l'ouest. On n'est pas très inventif en astronomie pour les termes, je vous l'accorde, mais bon. Et le Sagittarius A étoile, il est ici. Voilà. Donc 3,6 années-lumière, ce côté. On refait un zoom, mais cette fois-ci, on laisse tomber la radio et on passe en infrarouge, et voilà ce qu'on voit. Donc ça, c'est le bras du nord, le même que celui-là, là. Vous le voyez ici avec les étoiles. Là, on est en infrarouge proche. Et ça, la taille, c'est 1,3 années-lumière. Et vous voyez que la croix qui est ici, c'est la position de Sagittarius A étoile. Sagittarius A étoile, ça veut dire que c'est la plus brillante source du Sagittaire en radio, et c'est le centre de notre galaxie. Alors maintenant, ce qu'on voudrait, c'est voir ce qui se passe ici. Alors repérez cette série d'étoiles-là, qui forment un peu une petite couronne, la 4-5, là. Vous allez voir qu'on va les retrouver assez souvent dans cet exposé. Voilà, donc là, on a plongé au centre de la galaxie. Vous voyez que maintenant, ça commence
à être difficile de voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc on va passer sur une technique qui est un peu complexe à mettre en œuvre, mais on va l'expliquer simplement pour arriver à observer ces choses-là. On va observer en optique adaptative avec un instrument qui s'appelle NACO, au VLT. Alors, j'en ai déjà parlé de ce VLT, on a vu une image tout à l'heure. Vous êtes au Chili, ici, voilà. Vous arrivez à Santiago, vous prenez l'avion pour Antofagasta, là vous prenez un bus qui vous emmène à Cerro Paranal, et quand vous êtes à Cerro Paranal, ben, vous êtes dans un lieu magique sur lequel il y a quatre télescopes, donc du Very Large Télescope, quatre télescopes de 8 mètres de diamètre. Ça, c'est l'un des télescopes, ça c'est moi en dessous là. Et vous avez les meilleurs télescopes du monde avec les meilleurs instruments du monde, que demander de plus. Et là-dessus, sur ces télescopes, sur certains instruments, on peut utiliser de l'optique adaptative, c'est-à-dire qu'on va modifier le miroir, on va modifier, en gros, on va corriger la déformation du rayon lumineux qui traverse l'atmosphère. C'est presque, on arrive presque à faire comme si on avait un télescope de 8 mètres dans l'espace. Pas complètement, mais on s'approche de quelque chose comme ça. Et donc, du coup, c'est fabuleux parce qu'on n'est pas dans l'espace, hein, on ne pourrait pas envoyer un 8 mètres dans l'espace. On essaye, là, en ce moment, d'envoyer un 6 mètres 50, c'est difficile. On a donc un télescope qui est le plus grand du monde en miroir monobloc, 8 mètres de diamètre. On corrige la déformation des rayons lumineux quand ils passent dans l'atmosphère. On envoie une étoile laser qui permet de repérer justement la déformation des rayons lumineux qui nous proviennent de ce qu'on est en train d'observer. On corrige tout ça et on arrive à des images qui sont absolument fabuleuses. Voilà, donc ça, je vous remonte l'image que je vous ai montrée tout à l'heure. Vous repérez ici le petit carré avec les quatre étoiles. Je vous rappelle, ça c'est 1,3 années-lumière. Et là maintenant, je vous montre l'image obtenue par NACO en optique adaptative. Voilà ce qu'on a. Donc là, vous repérez encore la traînée des étoiles ici. Là, vous voyez que non seulement il y a plein d'étoiles, je vous rappelle, nous, chez nous, il y a deux étoiles espacées de 4 années-lumière. Là, vous êtes sur 1,3 années-lumière. Regardez la quantité d'étoiles qu'il y a. Et regardez aussi tous les nuages qu'il y a ici. Vous voyez que c'est un environnement très riche, à la fois en étoiles, en nuages. Il y a beaucoup d'interactions entre tout ça, il se passe beaucoup de choses. Et maintenant, regardez, je vais vous montrer, non pas une image, mais je vais vous montrer un petit film, mais ce n'est pas un film d'animation. C'est qu'on prend des images du centre de la galaxie, régulièrement, et on les met bout à bout. Donc ce n'est pas un film d'animation, c'est vraiment de vraies images de télescopes en optique adaptative qu'on met bout à bout et on regarde ce qui se passe. Alors regardez la date. 1992 à 2006 à peu près. Donc on a suivi pendant 14 ans et regardez la taille. 10 jours-lumière. C'est grand par rapport au système solaire, c'est petit par rapport à la distance. Je répète, on est là à 30 000 années-lumière de distance. Et alors, vous repérez du coup qu'il y a plein d'étoiles qui bougent, d'accord ? Et on repère qu'il y a des étoiles là, dont celle-là, par exemple, regardez là, qui bougent, qui tournent, qui font une ellipse autour de quelque chose qu'on ne voit pas. Là, on le voit mieux. En plus, on a dessiné pour vous l'ellipse, donc c'est encore plus facile. Alors, regardez comment elle tourne. Elle accélère quand elle passe à côté de cette croix. Cette croix, évidemment, vous avez compris, c'est Sagittarius A étoile. C'est-à-dire, c'est le centre de notre galaxie. Donc, regardez une dernière fois. On a S2 qui est ici. Enfin, on a une étoile qui est ici, pardon. Vous avez vu que ça accélère. Vous voyez qu'elle parcourt une ellipse. Et vous voyez qu'elle accélère quand elle arrive près du centre. Alors ça doit normalement faire penser à deux choses. D'abord, les orbites des planètes sont des ellipses. Ça, c'est Kepler qui avait compris ça. Et puis, peut-être qu'il y a une autre loi que vous connaissez qui s'appelle la loi des airs. La planète accélère
quand elle s'approche du soleil. Ben là, c'est pareil. Et quand on a plusieurs corps qui tournent autour d'un même objet, on peut mesurer non seulement la période orbitale de chaque objet, mais on peut aussi mesurer la masse de l'objet qui se trouve au centre. Ça marche pour le Soleil. En mesurant la période et le mouvement de deux planètes, on arrive à avoir, à connaître la masse du Soleil. Eh bien, en mesurant la période de deux étoiles ici, on arrive à avoir la masse de ce qui se trouve là, au centre de la galaxie. Alors, je ne vais pas faire durer le suspense beaucoup plus longtemps, parce que de toute façon, vous connaissez la réponse, vu que c'est dans le titre de l'exposé. Ici, vous avez donc la même représentation de l'ellipse de cette étoile, qui s'appelle en fait S2. Je vous le dis parce qu'on va en reparler tout à l'heure. S2, elle orbite en 15 ans autour de cet objet qui s'appelle Sagittarius A étoile. Au plus près de Sagittarius A étoile, elle se trouve à 120 unités astronomiques, 120 fois la distance Terre-Soleil. Sa vitesse, quand elle passe ici, est de 9000 km par seconde. Alors 9000 km par seconde, ça ne vous parle peut-être pas beaucoup, mais c'est quand même 3% de la vitesse de la lumière. C'est énorme. Elle va vite. Il y a des effets relativistes quand elle passe là, à cette vitesse-là, à côté. On peut mesurer du coup, je vous ai dit, avec le mouvement de deux étoiles, on mesure la masse de ce qui se trouve ici. Je n'ai pas dit encore ce que c'était, avec la loi de Kepler, 4 millions de fois la masse du Soleil. 4 millions de fois la masse du Soleil. Ensuite, ce qu'on peut faire, je ne vous montre pas les courbes de lumière en rayons X, parce qu'elles sont un petit peu, je ne trouve pas très jolies, tout simplement, mais on voit des variations de flux en rayons X qui sont de l'ordre de 1 minute, les variations les plus courtes. Et ça veut dire qu'il y a un objet, pour que ça varie en 1 minute au plus court, il y a un objet qui fait à peu près la taille de 1 minute lumière. 1 minute lumière, ça veut dire à peu près, grosso modo, 1/10 d'unité astronomique, c'est-à-dire 1/10 de distance Terre-Soleil. Dans l'espace entre le Soleil et 1/10 de distance Terre-Soleil, qui est à peu près 15 millions de kilomètres, vous avez un objet qui pèse 4 millions de fois la masse du Soleil. Pour avoir un objet aussi dense, en fait, on ne connaît aucun objet aussi dense autre qu'un trou noir. Donc en fait, ce qu'on a déduit là, c'est qu'on avait un trou noir supermassif qui se trouve à la distance de 25 000 années-lumière. Un trou noir supermassif qui se trouve au centre de notre galaxie. Et un trou noir supermassif autour duquel orbitent ces étoiles-là, dont S2. Voilà, vous avez l'orbite de S2. Le trou noir, il est là, l'étoile, elle est là. Alors du coup, on mesure évidemment précisément le mouvement de cette étoile-là. Là, vous voyez l'étoile qui passe. Vous voyez le trou noir qui est au centre. Alors ça, évidemment, c'est une représentation d'artiste, hein, on n'a pas cette vision-là. Et vous voyez qu'on a représenté l'étoile qui rougit quand elle passe à côté. Et en fait, on peut faire même plus précis que ça, parce que l'étoile, au fur et à mesure de son orbite, au fur et à mesure qu'elle orbite autour de ce trou noir-là, son péri-trou noir, il bouge. Vous avez peut-être entendu parler de l'avance du périhélie de Mercure. Eh bien là, on a le même effet. C'est-à-dire qu'à cause des effets de relativité générale, en l'occurrence, on a le périastre qui est en train de bouger sur cette étoile. Et ça, on le mesure avec les nouvelles mesures qu'on a. Donc ça, c'est l'orbite. Vous voyez qu'elle va à 25 millions de kilomètres heure, 9000 km par seconde. Elle passe à la distance de 20 milliards de kilomètres, c'est-à-dire 120 fois la distance Terre-Soleil du trou noir, et elle orbite en à peu près 16 ans. Elle est assez loin du trou noir. Je vous dis, le trou noir, il fait à peu près la taille de 1/10 d'unité astronomique, donc 15 millions de kilomètres. Elle passe à 20 milliards de kilomètres, hein, donc elle passe 1000 fois plus loin que la taille du trou noir. Elle passe assez loin. Donc ça, c'était la première preuve de la présence d'un trou noir supermassif au centre de notre galaxie. En même temps, on avait déjà des observations qui montraient qu'il y avait des trous noirs supermassifs autour de plein d'autres galaxies. Parfois, beaucoup plus massifs. Celui-là, c'est 4 millions de fois la masse du Soleil. On a des trous noirs repérés autour d'autres galaxies qui font jusqu'à 10 milliards de fois la masse du Soleil.
donc 10 000 fois plus massif que celui-là. Comme si vous aviez 10 000 trous noirs comme celui-là. D'accord ? Ça peut être très très massif. Alors, autour de ce trou noir-là, je vous ai dit, il y a plein d'étoiles, et puis, il y a aussi beaucoup de nuages. Et vous allez voir qu'on a des choses assez étonnantes qui se passent sur les nuages autour de ce trou noir-là, autour du centre de notre galaxie. Regardez ici le centre. Je vous remontre une image en radio, donc vous avez de nouveau Sagittarius A étoile, vous avez les filaments qu'on voyait tout à l'heure, et là, vous avez deux petits nuages, là, Sagittarius B1, Sagittarius B2. Ce sont des petits nuages qui émettent en radio, c'est pour ça qu'on les appelle A, B, etc. B1 et B2. Ça, c'est en radio. Je vous montre une autre image en radio avec plus de résolution. Vous avez donc de nouveau Sagittarius A étoile, vous avez le filament Sagittarius B1 et B2. Ça, c'est en radio. Le moins énergétique de la lumière. D'accord ? Je vous montre maintenant, je vous remontre en X parce que je l'ai déjà montré. Vous vous souvenez peut-être de cette image-là. Je la tourne, juste pour que ce soit plus simple pour l'image d'après. Et maintenant, je vous la montre avec plus de résolution, toujours en rayons X. Alors là, c'est en rayons X. Donc là, c'est le plus énergétique. On est passé de la radio au rayons X. Vous voyez Sagittarius A étoile ici. Et là, vous retrouvez Sagittarius B1 et B2, mais en X cette fois-ci. Vous avez des nuages là qui sont brillants en X. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont des nuages qui ont été chauffés à plus que 10 millions de degrés pour pouvoir émettre dans les rayons X. Ils sont très brillants dans les rayons X. Pour qu'ils soient très brillants, ces nuages-là, la plupart des nuages ne sont pas brillants en rayons X. Pour qu'ils soient très brillants, c'est parce que le trou noir, à un moment donné, a été actif, c'est-à-dire qu'il a absorbé de la matière. Il y a eu des rayonnements qui ont été émis. Ces rayonnements se sont propagés et ils ont interagi avec des nuages pas très loin, et ça a donné de l'énergie à ces nuages-là. Et c'est pour ça qu'on les voit en rayons X. C'est pour ça qu'ils ont été chauffés. Vous avez vu l'étoile S2. Vous avez vu comment elle tournait. Elle faisait une ellipse. Ben, il n'y a pas que les étoiles qui tournent autour du trou noir. Il y a ces nuages aussi. Et on a des observations de nuages qui tournent autour du trou noir. Regardez ici, vous avez un nuage qui s'appelle G2. En 2006, 2010, 2012, 2014, 2014, il tourne autour du trou noir. C'est le même nuage qu'on a suivi qui tourne autour du nuage. Ça, ce sont de vraies images. Voilà, vous le voyez tourner autour du trou noir. Et ça, je vous montre maintenant la vraie image à côté d'une simulation. Vous voyez le nuage qui s'approche, qui se déforme. Vous voyez une traînée ici. Il passe à côté du trou noir qui est là. Et après, il va se disloquer. Une partie va être probablement attirée par le trou noir, une partie va rentrer dans le trou noir, une partie va partir plus loin, va de nouveau partir et orbiter et peut-être revenir plus tard autour du trou noir. Là, vous avez une vue d'artiste de ce qui est en train de se passer. Vous avez le trou noir ici, le nuage qui passe à côté, et là, vous avez la queue de ce nuage, parce que le nuage est complètement déformé par les effets de marée quand il passe à côté de ce trou noir-là. Et là, vous avez de nouveau une vision en rayons X prise par Chandra. Donc, vous voyez que l'environnement est complexe. Et pour vous montrer à quel point il est complexe, je vous montre une autre. Là, cette fois-ci, c'est une simulation de ce qui est en train de se produire. Vous avez ici beaucoup d'étoiles qui sont en train de tourner autour du trou noir central. Là, vous avez un nuage qui est en train de s'approcher de ce trou noir central-là. Et on a des simulations qui montrent que les nuages doivent s'approcher quasiment à un tiers de la vitesse de la lumière, à 30% de la vitesse de la lumière, quand il passe à côté de ce trou noir. Et pourtant, c'est un trou noir qui n'est pas très actif. On dit qu'il est même dormant. Un trou noir dormant, il accrète pas beaucoup de matière. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a du mal, en fait, on a eu du mal à le détecter, même en rayons X. Alors là, vous allez voir une petite animation. Où là, vous avez le volume autour du trou noir, là, c'est 10 années-lumière. On s'approche vers le centre du trou noir. Et vous allez voir que, en fait, on a là, c'est une année-lumière. Donc, je vous rappelle, hein, l'étoile la plus proche de nous, c'est 4 années-lumière. Donc, il n'y a pas beaucoup d'étoiles dans notre environnement. Il n'y a que 2 étoiles sur 4 années-lumière. Et là, il y a toutes les orbites des étoiles qui sont représentées. Et vous voyez que tout ça, ça bouge. Les étoiles tournent, il y a des nuages qui tournent autour. Enfin, tout ça, c'est l'environnement de notre trou noir qui est très très dense.
avec des étoiles qui sont plus ou moins proches. Là, on est à un mois lumière. Des étoiles qui sont plus ou moins proches, d'autres qui sont plus loin. Et là, on s'approche de du trou noir central. Donc, il faut vraiment s'imaginer que d'abord, ce sont des étoiles assez vieilles. C'est des petites étoiles qui sont assez vieilles et qui tournent autour de cet objet. Alors certaines, si elles passent trop, sont déformées. Il y a des effets de marée qui vont les déformer. Là, vous avez tous les noms des étoiles que je vous ai montrées déjà. Là, vous avez S2, c'est celle que je vous ai pointée tout à l'heure. Là. Il y en a plein d'autres, vous voyez, elles sont toutes comme ça numérotées. Et elles passent à côté de Sagittarius à étoile qui se trouve ici. Alors, normalement, il n'y a pas de musique hein, quand on est à côté du trou noir. C'est le silence total. Voilà, et vous voyez que ça s'accélère. Vous retrouvez ici d'abord le fait que c'est des orbites elliptiques. Regardez celle-là, là. Et vous retrouvez aussi la loi des airs avec les étoiles qui s'accélèrent quand elles passent à côté du trou noir. Donc pour l'instant, on a tout ce qu'on a vu à chaque fois, c'est avec un télescope. Un télescope qui pointe dans les X, dans la radio, dans l'infrarouge, dans l'optique. Maintenant, on va aller plus loin. On va utiliser ce qu'on appelle de l'interférométrie optique. Et là, on va utiliser un instrument qui s'appelle Gravity et qui se trouve au VLT. Donc je vous remontre le Chili, on repart au Chili. Vous arrivez à Santiago, vous prenez l'avion pour Antofagasta, 2 heures de bus, hop, vous arrivez à Cerro Paranal. Vous connaissez le chemin maintenant. Et vous arrivez ici. Tout à l'heure, je vous ai montré un télescope parce qu'on n'utilisait qu'un télescope. Maintenant, je vous montre les quatre parce qu'on va utiliser les quatre. Vous avez le VLT 1, 2, 3, 4. D'accord. Chaque télescope va observer la région du centre galactique. Chacun des faisceaux qui arrivent sur des miroirs de 8 mètres, hein, quand même, il faut se représenter. 4 télescopes de 8 mètres, on récupère les faisceaux du premier, du deuxième, du troisième, du quatrième, et on les fait venir ici, sur un instrument qui est celui-là, ça c'est Gravity, qui fait à peu près 3 mètres sur 2 mètres. C'est grand. Et tous les faisceaux, là, on les combine sur un chip qui fait à peu près 1 cm carré. D'accord ? Donc sur un petit détecteur qui va combiner ces faisceaux-là. C'est assez compliqué parce qu'il faut connaître exactement à quel moment arrivent les photons. Alors on parle de cohérence, je ne vais pas détailler ici. Mais en gros, il faut qu'on sache à quel moment arrivent les photons dans chaque télescope. Donc là, quand on observe une source avec ces 4 télescopes-là, on a les 4 plus grands yeux du monde. Moi, j'ai déjà observé comme ça avec ces 4 télescopes. On a l'impression d'être le maître du monde. On a les 4 télescopes pour nous, on observe le même objet. Et on se dit que ces 4 télescopes de 8 mètres, qui font quand même l'équivalent d'un télescope de 130 mètres, puisque la ligne de base, l'espacement maximum, c'est 130 mètres, eh bien, on a les photons comme ça qui arrivent et qui sont combinés. Et on voit une image. C'est comme si elle était faite par un télescope de 130 mètres de diamètre. Donc c'est assez exceptionnel. Et pour vous présenter la difficulté technique, sur 130 mètres, on est obligé de corriger de la rotondité de la Terre. Pourtant la Terre, sur 130 mètres, ça reste assez plat. Et là on est à un niveau de précision au niveau du laser qu'on est obligé de corriger de la rotondité de la Terre. Et ça a été fait avec des fils à plomb. Un peu amélioré, mais parce que c'était la seule méthode qui permettait de le faire de façon précise. Et donc, on observe le centre galactique. Ça, c'est NACO. C'est l'image que je vous ai montrée tout à l'heure. Vous vous souvenez, vous retrouvez toutes les étoiles ici, la série d'étoiles. Et cette fois-ci, on va pointer dans cette région-là, qui se trouve être l'endroit du centre galactique. Donc là, vous voyez que on a une série d'étoiles, mais on les voit pas très précisément. Je fais un petit zoom dessus et j'observe avec Gravity en interférométrie optique, avec les 4 télescopes qui font l'équivalent d'un télescope de 130 mètres de diamètre. Et voilà ce qu'on voit. Ça, c'est Sagittarius A étoile, et ça, c'est S2. Alors, vous voyez d'ailleurs que sur la croix, il y a quelque chose de brillant. Qu'est-ce que c'est? Alors, d'abord, je vais vous montrer un petit film, pareil, qui n'est pas une animation, mais qui est une série d'images mises bout à bout, qui vous montre, qui vous remonte de nouveau l'environnement complexe de cette autour du trou noir. Donc là, vous retrouvez S2, voilà, c'est pour vous remémorer, là, au cas où vous aviez oublié, S2 qui tourne touc, autour du trou noir. Alors, pendant que je préparais la conférence, la semaine dernière,
il y a eu un télégramme qui est sorti. Après S2, en fait, il y a une autre étoile qui s'appelle S62 qui passait encore plus près du trou noir. Et S62, qui fait 2.2 masses solaires, c'est une étoile. Elle orbite non pas en 15 ans, mais en 10 ans autour du centre galactique. C'est la plus courte période orbitale qu'on connaisse pour une étoile autour du centre galactique. Sur une orbite très excentrique. Et elle s'approche à 5 unités astronomiques seulement du trou noir. C'est-à-dire beaucoup plus près que S2. Et elle va passer au périastre en 2022. Mais déjà, le mouvement de cette étoile-là autour du trou noir fait qu'on a pu améliorer la mesure de la masse, qui est en fait de 4,15 millions de masses solaires, plus ou moins 0,6. Ouais, dès qu'on on améliore un petit peu, en additionnant des mouvements d'étoiles, on arrive à améliorer la précision de la masse. Et maintenant, je vais vous montrer un film qui est fait en mélangeant plusieurs images du centre galactique. Et là, vous allez voir les images acquises avec l'instrument Gravity. Donc, vous avez d'abord l'ensemble de la Voie lactée. Là, on se dirige vers Sagittarius, vers les parties les plus sombres. On est dans le visible, là. Oui, c'est tout noir. Là, peu à peu, on passe en infrarouge. Là, on passe sur des images NACO. Vous retrouvez les étoiles brillantes, là. Et maintenant, on va arriver sur les images Gravity. Voilà. Là, regardez bien. Vous avez S2, là. Regardez S2, quand elle s'approche. Et regardez là. Vous voyez ce petit point, là? Il y a un petit point qui s'allume. Vous le voyez? Ben, ce petit point-là qui s'allume, vous allez le voir encore, là. Regardez ici. C'est le trou noir. Pourtant, le trou noir ne brille pas. Ben, qu'est-ce qu'on voit, là? Eh bien, ce qu'on est en train de voir, c'est des nuages qui tournent autour, et certains tournent tellement près qu'ils se font, en partie, happés par le trou noir, et donc émettent de la lumière en infrarouge, qu'on voit avec Gravity. Donc là, c'est une simulation, après, ce qu'on voit. Évidemment, ce n'est pas les vraies images, c'est une simulation. Vous voyez que non seulement on voit les étoiles qui tournent autour, mais en plus, on commence à voir apparaître des flashs lumineux qui sont les signatures de matière qui sont en train de tomber autour du trou noir. C'est beau, hein? Alors maintenant, on va un petit peu s'éloigner du centre galactique. Cette fois-ci, on va regarder la galaxie, mais à très haute énergie. On va regarder un rayon gamma avec un satellite qui s'appelle Fermi. Et Fermi a regardé l'ensemble de la galaxie. Alors là, on regarde le plan galactique, on augmente le contraste, on enlève toutes les sources brillantes, on enlève toutes les émissions diffuses, et regardez ce qu'il y a là. On augmente le contraste, le trou noir, il est là. Vous voyez ce qu'on voit là? On voit comme deux bulles qui partent du centre de la galaxie. Qu'est-ce que c'est que ces deux bulles? On ne sait pas très bien encore, mais ce qu'on sait, en analysant un petit peu la lumière qu'on reçoit dans les rayons gamma, on se rend compte qu'elle est différente de tout le reste de la lumière qu'il y a autour. Elle n'a pas la même énergie, elle n'a pas la même propriété. C'est-à-dire qu'on a vraiment quelque chose de différent ici. C'est quelque chose de différent, on ne sait pas trop ce que c'est, mais en tout cas, il semble qu'il soit associé au trou noir, parce que récemment, on a détecté, entre ces rayons gamma ici, vus par Fermi, et même ici, on a détecté une émission X qui semble connectée à ces rayons gamma. Donc là, je vous remontre les bulles gamma vues par Fermi, bulles gamma vues par Fermi, et entre les deux, regardez ce qu'il y a. Il y a ce jet-là. Alors ça, c'est une image, évidemment, mais après, je vais vous montrer les observations. Et vous voyez que, alors là, on est sur la taille, ça, vous avez la taille ici, c'est 15 000 années-lumière, c'est très grand.
Et on voit ici des petits jets qui sont vus en X, qui font 50 années-lumière, donc beaucoup plus petits. Et là, je vous montre l'image, mais je vous l'ai expliqué avant, parce que sinon elle est un petit peu compliquée. Voilà les émissions en rayons X, les jets, en fait, qu'on voit au nord et au sud. Le trou noir est là. Et ce que vous avez ici, c'est la base de ces bulles gamma. Donc, en fait, vous avez le trou noir, vous avez des jets en X, et après, vous avez une émission gamma. L'émission gamma, évidemment, a une énergie plus grande que l'émission X, mais ça veut dire que le trou noir est quand même capable d'envoyer des photons énergétiques sur des distances qui sont très grandes, qui sont de l'ordre de 15 000, 20 000 années-lumière, alors que la taille, je vous rappelle, de toute la Voie lactée, c'est 100 000 années-lumière. Donc c'est très très intense. Et pourtant, c'est un trou noir dormant. Mais alors ça, probablement que ce sont les restes d'une activité plus grande du trou noir central, à un moment donné. Et cette activité plus grande, on en voit aujourd'hui le rémanent, en fait. Alors, je vous montre la simulation d'un trou noir supermassif tel qu'on les voit dans les noyaux actifs de galaxies. Vous avez des jets, comme ça, qui sont très grands. Là, vous avez le disque d'accrétion qui est alimenté par toute la matière autour. Et là, vous avez le trou noir, disque d'accrétion proche et les jets. Ça, c'est ce qu'on voit dans les galaxies actives. On voit une émission très, très grande qui provient de la matière qui se trouve autour, qui est happée par le trou noir central, qui forme un disque d'accrétion, qui émet des rayons X ou de l'ultraviolet, et les jets sont plutôt vus en radio, parce qu'il y a du rayonnement synchrotron avec des électrons qui vont à des vitesses relativistes. Donc voilà, tout ce qu'on voit là, c'est dû au trou noir, du centre de la galaxie, et vous voyez qu'il a des effets sur des distances très très grandes, pas seulement des effets locaux. Alors j'ai beaucoup parlé de trous noirs, je me suis dit qu'il fallait peut-être quand même que je vous montre un petit peu ce que c'est qu'un trou noir. D'abord, je ne vais pas détailler parce que je n'ai pas le temps, mais le trou noir, c'est un produit de la relativité générale, la matière courbe l'espace, à l'espace-temps, à quatre dimensions. Et si vous prenez une analogie très simple, prenez un drap, vous tenez à deux, s'il n'y a rien, le drap, il est tout plat. Si vous mettez un objet un peu plus, enfin, si vous mettez un objet pas lourd, comme une balle de ping-pong, par exemple, il est un petit peu déformé, mais pas beaucoup. C'est la Terre, par exemple. Vous mettez un objet un petit peu plus lourd qu'une balle de tennis, ça déforme un peu plus, on va dire que c'est le Soleil. Vous mettez un objet encore plus lourd, je ne sais pas, moi, une balle de... Qu'est-ce que je peux mettre après une balle plus lourde? On va mettre une balle de pétanque, allez, c'est très bien, la pétanque. La naine blanche. Après, il me faut une balle encore plus lourde. Alors là, après la pétanque, c'est dur, hein, je ne sais pas. Une quoi? Ah oui, une balle de bowling, très bien. Super, merci. Une étoile à neutrons. Et si je mets une balle tellement lourde qu'elle déforme complètement, ben voilà, ça me fait un trou noir. Et là, vous voyez que, autant... Vous voyez les trajectoires, là? C'est les trajectoires suivies par les photons de la lumière. Donc là, c'est un peu déformé par la Terre, un peu plus par le Soleil, ça on l'a déjà vu, un peu plus par la naine blanche, encore plus par l'étoile à neutrons. Et là, c'est tellement déformé par le trou noir que la lumière, on la perd. On ne la trouve plus, c'est parti, on ne la trouvera plus jamais. Alors après, on peut regarder qu'est-ce qu'on verrait si on était à côté d'un trou noir. Par exemple, là, vous tournez autour d'un trou noir, vous voyez que ça fait un peu bizarre. Il y a des étoiles qui vont un peu dans tous les sens. Là, on tourne au-dessus du trou noir, on le survole, c'est pareil, l'environnement est assez étrange. Là, c'était la première simulation de trou noir faite par Jean-Pierre Luminet, donc il y a une quarantaine d'années. On voit, il commençait déjà à voir apparaître ce disque un petit peu étrange dont on va reparler. Ça, c'est l'image de Gargantua calculée par Kip Thorne pour Interstellar. Vous voyez aussi, c'est étrange. Et en fait, ce qu'on commence à voir ici, c'est que vous avez un disque de matière. Si le trou noir est tout seul, on ne le voit pas. Vous le voyez quand il y a un disque de matière. Et là, vous avez un disque de matière dont les parties qui sont derrière sont en fait relevées. Vous voyez derrière le trou noir, en fait. C'est pas fini encore, ça va. Encore un petit peu de temps. De toute façon, c'est relativiste le temps. Vous voyez derrière. Alors, il paraît qu'avoir un trou noir chez soi, c'est très pratique parce qu'en fait, on peut même se coiffer et on peut voir derrière sa tête. Donc, c'est très pratique pour se préparer le matin. Je vous montre une autre simulation où vous allez peut-être mieux comprendre. Voilà. Vous avez un disque et là, on est en train de passer. On regarde au-dessus. On regarde en dessous.
Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais en fait, le disque, il est relevé. D'accord? Ou alors il est abaissé, ça dépend comment on le regarde, mais là, il est abaissé. Je vais vous le remontrer, parce que vous êtes gentil. Voilà, là, il est relevé, on voit derrière, et vous voyez que maintenant, il est abaissé, mais on voit encore les parties qui sont derrière. D'accord? Vous comprenez? En gros, ça déforme l'espace-temps, quoi. Bon, donc, par exemple, si vous avez un champ d'étoiles comme ça, et puis vous mettez un trou noir, ça c'est Alain Riazello qui a fait ça, vous voyez que ça déforme complètement le champ que vous voyez. Alors on peut s'amuser à faire pareil, on met la voie lactée ici, vous avez le centre que je vous ai montré plusieurs fois, vous mettez un trou noir devant, pas dedans, hein, mais devant la voie lactée, ça vous fait un truc comme ça. Bon, c'est assez rigolo, c'est juste pour vous montrer un petit peu que ça déforme complètement l'espace. Alors je vais même vous montrer pour ceux qui sont déjà allés à Cracovie. Voilà, vous allez à Cracovie et dans vos bagages, vous avez emmené avec vous un petit trou noir, vous le mettez devant et ça donne ça. Ça, c'est joli, hein. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour vous montrer ce que ça fait, quoi. En gros, alors ça, c'est les petits schémas si vous n'avez pas encore très bien compris. Voilà, si vous avez un disque ici, le trou noir est là, le disque, vous le voyez à peu près plein. Et si vous avez un disque qui est beaucoup plus incliné comme ça, ben, vous voyez quand même la partie qui est derrière le disque, qui est relevée. D'accord ? Donc ça, c'est joli. Et alors, ça devient assez sympa, assez intéressant, quand on met de la matière autour et qu'on regarde plus près du trou noir ce qui se passe. Le trou noir, il est là, ce qu'on appelle la singularité. Ça, c'est le disque dont on a parlé. Ça, c'est les jets, je vous ai déjà montré. Et là, il y a ce qu'on appelle l'horizon des événements. L'horizon des événements, c'est l'endroit où, quand on l'a passé, on ne peut plus en ressortir. Il faudra une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière pour en sortir, donc ça c'est pas possible. Donc même les photons qui ont passé l'horizon des événements ne peuvent plus sortir. D'accord ? Mais tant que vous êtes au-delà de l'horizon des événements, vous pouvez en sortir. Et en particulier, il y a ce qu'on appelle, alors il y a deux choses, il y a l'orbite stable la plus interne, c'est-à-dire vous pouvez encore tourner autour, c'est stable, vous ne tombez pas dans le trou noir, mais il ne faut pas s'approcher plus. Et puis, il y a ce qu'on appelle la sphère de photons. La sphère de photons, c'est tous les photons qui sont en train de tourner autour du trou noir. Alors, je vais vous montrer une petite sphère de photons, voilà, pour que ce soit plus clair. Là, vous avez plein de photons qui arrivent vers le trou noir. Vous voyez que si vous arrivez assez loin du trou noir, le trou noir, il est là. Vous arrivez, vous lancez un photon là. Ben, il est un peu dévié, vous voyez, mais pas trop. Vous lancez un photon plus loin, évidemment, il n'est pas dévié du tout. D'accord ? Là, il est un peu dévié, mais pas trop. Celui-là qui est plus près du trou noir, il est plus dévié. Celui-là qui est encore plus près, il est encore plus dévié. Etc. Et vous avez compris, à un moment donné, vous avez tellement dévié que vous partez par là, et ceux qui passent très très près, eh bien, elles reviennent par là. Donc vous envoyez de la lumière là, et en fait, elle vous revient dessus. Parce qu'elle est passée très très près du trou noir. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'anneau de photons. Imaginez que vous êtes par là-bas. Vous envoyez la lumière vers le trou noir, cette lumière vous revient. Vous envoyez de la lumière partout sur le trou noir, eh bien, il y a de la lumière qui va vous revenir autour du trou noir. Donc en fait, ça vous fait un anneau de photons, ce qu'on appelle en anglais le photon ring, ce qui veut dire anneau de photons, tout simplement. Voilà, donc c'est ça, c'est ce qu'on appelle la sphère de photons, l'anneau de photons, c'est ces photons-là qui passent très près du trou noir et qui vous reviennent dessus. Et en gros, ce que vous allez voir, donc, quand il y a un trou noir, vous avez le disque d'accrétion, vous avez l'anneau de photons qui est là, tout à côté du trou noir, le disque d'accrétion autour et les jets qui sont ici. Et alors maintenant, dans les quelques minutes qui me restent, enfin plutôt une dizaine de minutes d'ailleurs, je vais vous montrer des résultats qui ont été acquis avec un interféromètre encore, mais cette fois-ci un interféromètre en radio, qui s'appelle EHT, qui veut dire Event Horizon Telescope. Event Horizon Telescope, ça veut dire le télescope de l'horizon des événements. Et en fait, donc le nom vient tout simplement de cet horizon des événements dont je vous ai parlé là, qui est la limite. Si vous franchissez cet horizon, vous ne pouvez plus ressortir. Donc ici, le but est d'arriver à imager un trou noir supermassif le plus près de ce trou noir là. L'horizon des événements télescope, donc je vais appeler EHT pour être plus rapide, c'est en fait un télescope qui fait tout simplement la taille de la Terre. C'est comme l'interférométrie optique dont je vous ai parlé tout à l'heure, où on prend les signaux des quatre VLT
des quatre télescopes du VLT, les quatre UT du VLT, eh bien là, on en prend plusieurs répartis sur toute la Terre, depuis NOEMA, qui s'ouvre sur le plateau de Bure en France, l'IRAM en Espagne, un télescope en Allemagne. On utilise ALMA et APEX qui se trouvent au Chili, pas très loin de ce que je vous ai montré tout à l'heure au Chili. On utilise des télescopes qui se trouvent à Hawaï, télescope aux États-Unis. Et on peut même utiliser un télescope qui est le South Pole Telescope au pôle sud. Et avec ça, on observe le trou noir du centre galactique ou un autre trou noir. Et un autre trou noir. Et donc ça fait un télescope qui a la taille de la Terre. Et l'idée, c'est d'observer en même temps. Alors évidemment, on ne peut pas observer en même temps avec ce télescope-là. La Terre, elle n'est pas plate, malgré ce que disent certains. La Terre est ronde, donc on ne peut pas observer en même temps avec tous ces télescopes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer avec le plus de télescopes possible, mais dès qu'il y en a un qui ne peut plus observer, ben, il y en a un autre qui va prendre le relais, etc. Et non seulement on observe les photons qui viennent du centre galactique ou d'une autre galaxie, mais en plus, on enregistre le temps d'arrivée de chaque particule de lumière, de chaque photon. Et ça, c'est parce qu'il faut savoir exactement comment arrivent les photons. C'est ce qu'on appelle la cohérence, dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, mais je vous ai dit, c'est le principe sur l'interférométrie. Et donc, on a un télescope qui fait la taille de la Terre, du pôle sud jusqu'au Groenland, en passant par Hawaï et la France. Et avec ça, on observe ce qu'on veut dans le ciel, mais vous voyez, la ligne de base, c'est le diamètre de la Terre, 12 800 km. C'est pas mal comme télescope. Vous remarquerez que pour l'instant, on ne peut pas faire plus loin, on ne peut pas faire plus grand. Sauf si on va ailleurs, sur un satellite ou sur la Lune, par exemple. Mais là, c'est la limite. Eh bien, là, ce qui change, c'est que si on a une antenne toute simple, ou un interféromètre, ou le HT qui a une base plus grande, eh bien, on va avoir une image de plus en plus précise. La difficulté ici, ce n'est pas forcément pendant l'observation, c'est ensuite de tout mettre en commun. Alors d'abord, il faut se bloquer une semaine d'observation où on ne fait que ça, en espérant que le ciel coopère, qu'il n'y ait pas de nuages dans chacun des observatoires. On observe dans différents observatoires, on enregistre tous les temps d'arrivée de chaque photon. Une fois que c'est terminé, comme il y a beaucoup, beaucoup de données, regardez, 4 pétabytes de données, c'est-à-dire 4 millions de gigabytes. Je ne sais pas combien il faut vos disques externes chez vous. C'est de l'ordre du gigabyte, ou vous avez peut-être et tera. Si vous avez des disques de tera, ben vous en mettez 4 millions comme ça, de gigabytes, ou 4000 terabytes à chaque fois. Et tout ça, vous prenez les disques durs, vous les emmenez par avion à un endroit où vous allez les synchroniser, qui s'appelle un corrélateur. Pourquoi on ne le fait pas à distance? Parce que c'est trop de données à passer sur le réseau, on ne peut pas. Donc vous les synchronisez dans un corrélateur, vous réduisez les données et après vous allez obtenir une image. L'horloge atomique qui mesure le temps d'arrivée des photons doit être super précise et évidemment calibrée. Et l'erreur de cette horloge atomique, c'est de l'ordre de 1 seconde chaque 100 millions d'années. Donc elle retarde un peu, mais de 1 seconde sur 100 millions d'années. Ça va. Même si vous voulez avoir un rendez-vous avec un dinosaure, vous pouvez y arriver. Alors je ne vais pas vous montrer tous les radiotélescopes, je vous en montre un, parce que c'est l'un des plus beaux. Ça c'est ALMA, qui se trouve à 5000 mètres d'altitude sur le plateau de Chajnantor, dans l'Atacama. Et là il y a 67 antennes radio de 12 mètres de diamètre chacune, qui vont observer le même point du ciel. Et je vous montre ça aussi pour vous montrer que beaucoup de ces observatoires qu'on utilise pour faire cette image que je vais vous montrer sont déjà des interféromètres. Ça, c'est un interféromètre. On mélange la lumière de toutes ces antennes-là et après, on va prendre la lumière mélangée pour encore la mélanger avec d'autres observatoires. Donc, c'est quand même un travail assez gigantesque. Voilà, là, vous avez une vision de soir et de nuit de ces antennes qui sont assez jolies. Et alors, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder deux trous noirs pour lesquels on pense qu'on va pouvoir voir quelque chose. Eh bien, il s'agit du centre galactique et puis d'un autre, que je vous présenterai après. Et puis, d'abord, on fait des simulations de ce qu'on pourrait voir. C'est-à-dire qu'on fait des calculs. On prend les paramètres des trous noirs et on regarde ce qu'on devrait pouvoir voir.
Alors évidemment, on fait d'abord un calcul comme si on avait la meilleure image possible, et puis après on la passe par toute la chaîne observationnelle. Les instruments, ils n'ont pas exactement la même résolution, donc tout ça, ça dégrade un petit peu, et ce qu'on va voir va être dégradé par rapport aux simulations. Donc on va d'abord simuler l'image, et après la passer par toute la chaîne observationnelle, avant de voir ce qu'on pourrait réussir à regarder. Ensuite, il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a des paramètres, par exemple, là vous avez un trou noir, là vous avez les jets, on ne sait pas si le trou noir il va avoir une ombre circulaire, ou s'il va être un peu aplati sur l'épaule, ou s'il va être aplati sur l'équateur. Donc on ne sait pas comment il est. Donc on fait plusieurs simulations comme ça. Et il s'avère qu'il y a, en plus du centre galactique, il y avait un autre trou noir qui était intéressant. C'est un trou noir qui se trouve dans une galaxie active, qui s'appelle M87, 87e objet du catalogue Messier. C'est un trou noir supermassif. On met une étoile parce que c'est le centre justement de la galaxie. Elle est ici. Alors vous voyez, la Vierge, la constellation de la Vierge est ici. M87, c'est là. M87, on la connaît depuis longtemps, puisque c'est Messier qui l'avait déjà vu, puis je pense qu'elle était déjà connue un petit peu avant. Là, vous avez un jet ici. C'est une galaxie active. C'est l'une des plus proches de nous. Elle se trouve à seulement 55 millions d'années-lumière, ce qui n'est pas énorme. Et elle contient 6,5 milliards de soleils. Voilà, c'est une galaxie raisonnable. 6,5 milliards de soleils, c'est la masse du trou noir supermassif, pardon. Attention à ce que je dis. Elle contient beaucoup plus d'étoiles que ça, c'est quand même une grosse galaxie. Mais le trou noir central qui se trouve au centre de M87 pèse 6,5 milliards de soleils. D'accord ? Je vous rappelle que le trou noir central de notre galaxie, il pèse 4 millions de soleils. Donc celui-là, c'est 6,5 milliards. Donc on est quand même à un facteur 1000 au-dessus. Voilà, et donc, ça je vous l'ai déjà montré, c'est l'anneau de photon qu'on espère voir. On fait une simulation de ce qu'on va voir. Alors faisons la simulation, ça c'est la simulation juste en mettant les paramètres de ce trou noir de M87. Si on le passe par toute la chaîne observationnelle, voilà ce qu'on s'attend à voir. Et maintenant je vais vous montrer ce qui a été vu, l'image qui a été acquise, c'est celle-là. Et je pense que si je vous avais montré le contraire, vous n'auriez pas trop réagi. C'est-à-dire si j'avais inversé ces deux-là. Et là, c'est là qu'on se rend compte que c'était un travail extraordinaire, c'est que, en fait, la collaboration des Event Horizon Telescope a réussi à simuler une image en tenant compte de tous les paramètres connus, en tenant compte de toute la chaîne observationnelle connue, à simuler une image qui ressemblait de très près à ce qui finalement a été observé. M87 se trouve à 55 millions d'années-lumière, 6,5 milliards de soleils. Là, ici, on ne voit pas l'horizon des événements. Il est en fait 2,5 fois plus petit que la taille de cet anneau. Il fait 40 milliards de kilomètres avec une taille de 42 microsecondes d'arc. Ça ne vous parle peut-être pas, mais je vais vous montrer ce que ça représente. Je fais un petit zoom dessus. Ça, c'est voilà, l'image obtenue. Et là, voilà, ici, ce qu'on voit, en fait, donc, au centre, ce qui est noir, c'est l'ombre du trou noir. Ici, c'est l'anneau de photons. Vous vous rappelez, je vous disais, quand on éclaire un trou noir, il y a des photons qui vont revenir. En fait, on va voir un anneau de photons. Ben, c'est ça qu'on est en train de voir, l'anneau de photons. Et en plus, on sait dans quel sens tourne le trou noir. Il tourne comme ça. Donc, et là, ce qui est intéressant, voilà, l'horizon des événements, il est là, en fait. Donc, on ne le voit pas. Hein. Et on ne le voit pas pour une très bonne raison. C'est qu'il est plus petit que la limite de résolution de tous les télescopes qu'on a utilisés. En gros, cette limite de résolution est donnée par la taille de la Terre, et l'horizon des événements, la limite au-delà de laquelle on ne peut plus revenir du trou noir, on ne peut plus en sortir, eh bien cette limite elle est plus petite que la limite de résolution. Donc, de toute façon, on n'aurait pas pu le voir, l'horizon des événements. Alors vous allez me dire, pourquoi appeler un télescope télescope d'horizon des événements si finalement on n'arrive pas à voir l'horizon des événements? Ce qu'on appelle du marketing. Ça. Mais on voit quand même l'anneau de photons, ce qui est quand même pas mal. On avait fait une communication à l'université, et je vous montre ça parce que c'est assez rigolo, parce que ça c'est l'ombre du trou noir, l'anneau de photons qui était prévu, et ils ont appelé ça l'image
du donut. Petit donut orange. Je pense que ils avaient un petit peu faim ce matin-là quand ils ont préparé ça. Voilà, et donc ce qu'on voit, c'est ça. On voit le trou noir supermassif, on voit pas le jet évidemment. Le trou noir supermassif, on voit juste son ombre qui est là. On voit qu'il est en train de tourner, on peut en déduire le sens de rotation. Et donc si on imagine un petit peu là-dedans, ben, en fait, on ne voit pas l'horizon des événements, mais on voit l'anneau de photons qui est un petit peu agrandi par la limite de résolution du télescope. Et donc ça, c'est la première image directe d'un trou noir. Ou en tout cas de l'ombre du trou noir et de la matière qui est en train de tourner autour. Donc c'est un très beau résultat. Et du coup, je vais vous montrer maintenant un petit film qui mélange plusieurs images et qui permet de partir du ciel et de plonger vers le trou noir. Vous allez voir que c'est assez étonnant. Là, c'est pour vous permettre de repérer où se trouve M87 dans le ciel, donc à côté de la Vierge. M87 est là, vous la voyez. Vous allez rapidement voir l'image dans le visible. Voilà, ça c'est l'image dans le visible avec le jet là. Le jet vient du trou noir. Ça c'est de l'interférométrie en radio qui a permis de voir ce jet. Là on passe à l'interférométrie, ce qu'on appelle la très longue base sur plusieurs continents, et on arrive à l'interférométrie sur l'ensemble de la Terre. Et là on voit le trou noir. Alors ça, c'est le trou noir supermassif au centre de M87 étoile. Alors, je sais que le titre de l'exposé, c'est le trou noir central de notre galaxie. Alors vous allez me dire, mais alors sur SGR A étoile, qu'est-ce qu'on va voir? Ah. Alors sur SGR A étoile, c'est un petit peu plus compliqué. Pour une raison que je vais expliquer, on ne sait pas ce qu'on va voir, l'image n'est pas encore sortie. Ça se trouve, ça sera ça. Ça se trouve, ça sera autre chose. On n'en sait rien. On ne sait même pas en fait s'il y aura une image ou pas, parce que c'est compliqué. Mais probablement qu'il y en aura une, mais probablement qu'elle sera de moins bonne qualité que ce qu'on a vu sur M87 étoile. Le problème, c'est que Sagittarius A étoile, au centre de notre galaxie, il se trouve à 30 000 années-lumière, ce qui est 1 000 fois plus proche que 55 millions d'années-lumière. Il est plus proche que M87. Donc l'image devrait être mieux. Mais la masse du trou noir n'est que de 4 millions de masses solaires, alors que la masse du trou noir de M87 est de 6 milliards de masses solaires. Donc 1 000 fois moins massif. 1 000 fois moins massif par rapport à 1 000 fois plus proche. Les conditions devraient être les mêmes. On devrait avoir à peu près la même taille sur le donut. Donut de même taille. Mais on a un souci sur SGR à étoile, c'est qu'il est très variable. Et du fait de cette variabilité, on ne peut pas observer très longtemps. Parce que quand on connecte différentes lumières des différents observatoires, il faut que le flux soit à peu près le même. Et donc là, comme c'est variable, on ne peut pas connecter ces photons-là, cette lumière reçue, sur un temps très long. Et du coup, ben, l'image, pour l'instant, n'est pas sortie. Elle sortira, mais je vous dis, elle sera peut-être de moins bonne qualité. Alors, quel est le futur de notre centre galactique? Et je terminerai là-dessus. Eh bien, ce qui va se passer dans quelques milliards d'années, de toute façon, c'est que la Voie lactée va rentrer en collision dans Andromède. Andromède qui se trouve actuellement à 2 millions d'années-lumière, on est en train de se rapprocher. Et les deux trous noirs du centre galactique, le trou noir du centre galactique de notre galaxie et le trou noir du centre galactique d'Andromède, vont se tourner autour. Et puis, à un moment donné, ils vont probablement fusionner. Enfin, un trou noir plus gros. Trou noir de masse M1 qui fusionne avec un trou noir de masse M2, ça donne un trou noir de masse M1 plus M2. À peu près, parce qu'il y a une petite perte de masse par onde gravitationnelle. Bon, ce sera à peu près ça. Et ça ne fera pas grand-chose pour les autres étoiles, parce qu'il y a beaucoup de vide dans la galaxie, vous avez bien compris. Donc ça risque de se passer comme ça, les unes à côté des autres, pas
Par contre, ça fera un spectacle assez joli à voir à la Ferme des Étoiles, puisqu'il y aura deux galaxies, deux voies lactées du coup. Mais bon, ça c'est plutôt, on va dire, dans 2-3 milliards d'années. Je sais pas si on sera encore. Et voilà, je voulais donc terminer là-dessus en vous remerciant beaucoup de votre attention.